Je suis le docteur Yves Berthier. Mon livre parle de la découverte de l'Amérique, publié donc chez L'Harmattan. Alors, j'ai toujours aimé l'histoire et à la retraite, avec du temps libre, j'ai essayé d'écrire moi-même. La naissance des États-Unis d'Amérique, c'est mon troisième livre. Je l'ai choisi parce que ce pays est l'image de la liberté. Et en deux siècles, il est devenu le pays le plus puissant du monde. J'ai cherché à savoir pourquoi. Et je l'ai écrit, je pense, de façon utile à même ceux qui ne sont pas passionnés d'histoire. J'ai envie de répondre à tout le monde, mais peut-être surtout à ceux qui aiment l'histoire et à ceux qui aiment l'Amérique. C'est l'image de la liberté et la statue devant New York faite par Bartholdi, on est le symbole. Les États-Unis d'Amérique représentent la liberté parce qu'ils ont commencé la guerre de libération de l'Angleterre pour la liberté. Et ils ont toujours gardé cette notion chevillée au cœur, la liberté. Ceux qui vont en Amérique pour s'y installer demandent d'abord la liberté. Dans ce livre, je n'ai rien inventé, je n'ai rien créé, mais j'ai rappelé un certain nombre de choses que beaucoup ont oubliées ou n'ont jamais su. L'origine des États-Unis, c'est très important. J'ai eu plaisir à trouver les sources et les écrits nécessaires en me méfiant des clichés et des fausses rumeurs. C'est un des points noirs de l'histoire qui n'est pas toujours aussi véridique qu'on le voudrait.